Bonjour à tous, c'est ClacioYP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau vlog. Donc, du coup, je vous explique le truc. Donc, on va prendre le TER donc, de Saint-Quentin à Paris et le TGV de Paris à Rennes. Voilà. Puis après, on prendra un petit train, un autre petit train, donc un TER, donc aller de Rennes à Saint-Malo. Voilà. Donc, je vous laisse avec la transition. Donc, juste à côté, donc qui vous expliquera le trajet. Voilà. Donc j'espère que ce vlog vous plaisera. Puis bah, on se retrouve ici même dans allez 3 semaines. 3 semaines ou 2 semaines, ouais, c'est ça. Peut-être pas 2 semaines. Ouais, 3 semaines au moins. Ou 2 semaines et demie. Donc je vous laisse avec le vlog. Bye. Et donc du coup on se retrouve dans un petit fast-food de la façon américaine. Donc là j'ai commandé un Big Burger, donc je vais voir comment c'est. Et puis bah voilà, donc je vous montrerai en image après. C'est parti. Donc du coup je vous ai pas dit le nom du resto, donc du coup il se trouve à côté de la gare de Bercy. Donc ça s'appelle Chicago Factory, donc venez. Donc si vous êtes pas loin, venez du coup. Bon du coup j'ai fini le burger, donc vraiment fat, hein. Ouais, je me suis bien régalé. Donc du coup Chicago Fire, venez à la gare de Bercy, c'est juste à côté. Voilà, une rue, voilà. Venez. Bonjour, donc du coup je suis arrivé à l'hôtel. Donc du coup il s'est passé plein de trucs donc pendant que je suis allé manger au resto hier. En fait je vous ai pas dit mais en fait on a raté notre train, donc le Ouigo. Donc avant ça je vais vous faire visiter la chambre d'hôtel. Bon, c'est un 2 étoiles, donc franchement c'est pas trop quali. On aurait pu avoir autre chose. Donc juste attendez, juste éteindre ça. Tac. Sinon les copyrights, hein. Donc, du coup nous avons là petite télé. Donc là, l'entrée, bon, la salle de bain, voilà, nickel. Après, nous avons la douche, les toilettes, nickel, nickel, la douche, le miroir, tout ce qu'il faut. Donc la porte, par contre, regardez ça, le bruit café. Ouais, c'est une part japonaise en fait, je crois. Donc la télé basique, normal, hein. Par contre, comptez, il n'y a qu'une prise, non, il n'y a que 2 prises, hein, chambre. Donc une pour la télé, bon ça on n'y touche pas. Mais voilà. Donc heureusement que j'avais une multiprise avec moi. Donc la vue, par contre, on a vue sur mer. Donc là, vous verrez pas, mais là-haut de la voie, là où ma chambre allait, il y a un contre-jour. Donc là. Donc du coup, ma chambre, elle est nickel. Donc le lit, je vous ai pas présenté. Donc du coup, le voilà. Du coup, port du masque obligatoire, forcément, donc dans les couloirs, mais dans la chambre, vous pouvez le retirer. Parce que, donc il faut savoir que les chambres, donc à chaque passage, sont désinfectées. Donc attends, je vais vous poser là, dans la chaise. Donc en fait les chambres sont désinfectées donc à chaque fois que tout le monde passe. Donc à chaque passage ils désinfectent toutes les chambres, les têtes d'oreiller, couettes, tout ce qui est poignée de porte, abattant des toilettes et tout. Donc je trouve que ça c'est bien, mais par contre je trouve que pour un 2 étoiles, ouais c'est bien. Au moins, le prix 180 pour ça, je trouve que c'est un peu abusé, mais sinon ça va. Il y a la wifi, mais je sais pas pourquoi mon portable n'arrive pas à trouver l'adresse IP. Bon, au moins, les lits, après avoir dormi dedans, je peux vous dire que ça va, on est bien dormi, mais moi j'ai eu un peu de mal à dormir. Après, qu'est-ce que je peux rajouter? La vue aussi, que je vous ai dit tout à l'heure, elle est ouf. Mais ouais, le petit déjeuner aussi, pas mal. C'est une formule à 8,99. Donc vraiment cool. Donc si vous voulez aller à Saint-Malo, voilà, je peux vous proposer celui-là d'hôtel. Franchement pas cher.
Pour, je crois, une personne, toi, c'est. Donc, si vous arrivez le matin, c'est 45, une personne. Et la nuit, je crois que c'est 50. 50 ou 59. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc là, bah, je vais partir, hein, donc direction le camping. Donc, du coup, après ça, bah, on va se quitter après le camping. Du coup, petit miroir, un basique. Hein. Par contre, quand on est arrivé hier dans la chambre, c'est le quand il faisait chaud. Et déjà qu'il fait chaud en ce moment, donc c'est franchement ouf. On avait un oreiller en plus, donc une armoire comme vous pouvez voir là-bas. Et du coup, on avait une couette comme vous pouvez voir là-bas. Voilà. Donc du coup, bah voilà. Donc après, nous avons une carte. Donc, ce que propose le restaurant, elle est assez grande, mais par contre, les prix sont abusés. Donc, si vous voulez prendre, je sais pas moi, genre une Vittel, non, ou un Perrier. Un Perrier, c'est 3,20 €. Donc, autant que c'est abusé, quoi. Après, ils font des menus, par contre. Donc il y a planche gourmande, donc c'est plein de charcuterie, de la salade et tout. Planche vegan, donc végétarien, donc ça c'est pour ceux qui sont végétariens. Et un plateau de fruits de mer, voilà. Donc c'est tout pour ceux. Après ils font les apéritifs, alcool, champagne, vin rouge et tout. Et les spécialités de la région. Par contre, un seul point, c'est au niveau des prises que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il n'y en a pas trop, donc c'est pour ça que moi j'ai amené une multiprise donc qui se branche au mur. C'est pas une range, voilà quoi. Après, que dire de cette chambre à part qu'on a bien dormi, que j'ai bien dormi du coup. Mais ouais, rangement, télé, mais sauf la wifi bien sûr. Donc du coup, on va se laisser là, direction maintenant le camping. Donc du coup, je vous ferai une review du camping. Bah, du camping. Du coup, on se retrouve à tout à l'heure dans le mobilhome. C'est parti. Bonjour les gars, c'est ClacuEricTB. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fin du vlog. Donc, on est au camping. Du coup, là, je dois m'habiller. Donc là, on est au camping. Donc là, je vais m'habiller. Donc, je vais pas montrer hier et tout, d'arriver et tout. Parce que, voilà, c'était chiant. Voilà, je vais pas vous m'en dire. Que je m'habille, puis on se retrouve après pour la présentation. Voilà. C'est parti. Donc, du coup, voilà, je viens de prendre ma douche et tout. Donc, voilà, tout classique. Donc, du coup, je viens d'arriver au camping. Donc, bien sympathique. Donc, je vous ai pas montré le camping et tout. L'intérieur et tout, est-ce que c'est basique? Je vais pas vous ennuyer avec ça. Mais, hier, je vous ai pas dit, c'est que. En fait, on a loupé notre Ouigo. Du coup, on était obligé de prendre le bus. Donc, c'était très chiant. On a attendu presque 5 heures à Massy-CGV. Du coup, on a pris le bus. Heureusement qu'on a eu des billets à temps, parce que sinon, là, on n'était pas parti. Voilà, donc la galère. Par contre, le burger qu'on a mangé tout à l'heure, là, c'était magnifique. Franchement, meilleur burger, franchement, que j'ai mangé. Et puis voilà, donc je vais vous laisser avec ça. Donc je vais pas vous présenter ma chambre parce que c'est basique, hein. J'ai des porte-manteaux, des rangements, mon lit, puis voilà. Mais voilà quoi, après voilà. Donc là, j'espère que la vidéo vous aura aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et puis à commenter, à partager. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la deuxième partie. C'est parti! Bye. Donc yo, du coup aujourd'hui on est à Dinard, donc je me suis arrêté manger un petit truc, un petit fast-food. Donc là j'ai commandé un méga tacos, donc il est quali, donc j'ai pris poulet et tout. Donc je vous montre ça en image après, c'est parti. Donc voilà le tacos, donc il est bien sympathique. Donc j'ai mis poulet, salade, tomate, oignon, maïs et poivron. J'ai mis de la petite sauce barbecue et les frites, franchement ils sont géniales. Donc voilà.
Donc du coup voilà, vous avez vu le tacos que j'ai pris. Donc du coup après on se retrouve à la plage. Donc c'est parti. Donc du coup donc avant d'aller à la plage, donc on est allé du coup on va à la médiathèque. Donc elle est juste ici. Donc elle est vraiment géante. Donc on va y rentrer, c'est parti du coup. Bonjour à tous, c'est Clacio du montage, donc excusez-moi. Donc en fait je pouvais pas filmer dans la médiathèque parce que à cause des droits d'auteur et voilà. Donc du coup vous verrez que des photos de l'intérieur et tout, donc j'en ai pris que 3, donc je suis vraiment désolé. J'étais pressé par le temps et voilà, bonne vidéo. Voilà, vous avez vu, donc je suis désolé, j'ai pas pu filmer parce que raison de droit à l'image et tout. Donc du coup je vous ai pris quelques photos, donc si vous posez et tout. Donc vous avez vu aussi la photo où je joue à Minecraft, donc voilà, j'ai fait une belle maison. C'était assez bon, vous avez reconnu, c'était la même maison que j'ai fait sur ma chaîne. Donc du coup là on va se rendre à la plage, c'est parti. Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est le dernier jour, donc je suis désolé. Donc à chaque fois voilà, je fais pas trop de trucs en extérieur, donc je suis plutôt donc je filme plutôt le trajet, donc je suis vraiment désolé. J'essaie de m'améliorer, mais franchement voilà, donc c'est le dernier jour. Comme je vous l'ai dit, donc là on est en train de préparer les valises et tout. Donc du coup demain normalement 10-11 heures on prend le bus direction Rennes, puis après on va manger là-bas, puis après on va prendre le bus. Donc c'est un bus de nuit, donc je vous filmerai ça. Je vous promets que je filmerai, parce que d'habitude je vous dis ça, mais voilà quoi. Et voilà, donc à demain. Donc bonjour à tous, là on est gare de Bercy. Donc là je suis désolé, j'étais claqué, donc je pouvais pas tourner. Donc on est face gare de Bercy. Donc là il est actuellement 4h, 4h30. Comme ça j'ai fait une nuit blanche, j'ai pas dormi dans le bus et tout. C'est horrible. Je vais essayer de dormir dans le TER. Du coup on se retrouve à gare du Nord. Et on y va, c'est parti. Bon bonjour à tous, on arrive à Saint-Quentin. Comme vous pouvez le voir, un peu crevé, c'est normal, presque une nuit blanche. Du coup on rentre à pied parce qu'on est dimanche, il n'y a pas de bus. On rentre à pied. Donc du coup donc je ferai l'intro chez moi, donc au studio. Bon, on se retrouve à telle heure pour l'intro. C'est parti. Bonjour à tous, donc c'est Clacio YTB, donc me revoilà. Donc c'était assez court, je suis désolé, mais quand même c'était assez cool. Je viens de rentrer, je suis trop fatigué. J'espère que la vidéo, ce vlog vous aura aimé. Après, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et voilà, donc on se retrouve à la prochaine. Donc je suis désolé aussi de conclure cette vidéo aussi, ce vlog aussi vite. Mais je suis crevé, je voudrais en finir. Parce que le montage après, ça va être difficile. Mais voilà quoi, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à commenter. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.